Bienvenue sur ma chaîne Les Économies et Défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes, je ne sais pas, le 25 octobre, le vendredi, hein. Il est tard, hein. Il est déjà 16h18 déjà. Je ne sais même pas si j'avais le temps. J'ai dit, allez, je vais essayer de la tourner. De toute façon, ça sera une vidéo, mais je crois que ça sera la plus rapide qui existe. Parce que voilà quoi, il reste plus grand chose et on va juste faire un petit point et remplir alimentation pour la cinquième semaine. C'est très rare que je fais une cinquième semaine, ça arrive jamais, pratiquement jamais. Je fais toujours avec ce qui me reste, mais là c'était pas possible. Alors du coup on va faire le bilan et on fera un petit point sur les défis, mais ce sera vraiment rapidos. Je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus pour mon anniversaire. Merci beaucoup, vous êtes des amours. J'ai reçu énormément de messages, beaucoup aussi de soutien pour les inondations. Alors merci beaucoup. Alors on m'a demandé si j'avais été touchée spécialement. Non, nous on a été beaucoup touchés dans ma ville, hein. On n'a plus de centre commercial, il a été dévasté. On a eu beaucoup de... Merci, elle m'a ramené. Tu veux dire bonjour? Oui, attends, je vais... Après bon, alors je finis, après tu... Non, vas-y, allez. Bonjour tout le monde, je vous aime cœur, de gros bisous, bonnes vacances. Oui, t'as raison, bonnes vacances. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, le centre commercial, il y a eu beaucoup de sinistrés. Il y en a beaucoup qui ont tout perdu. C'est horrible, franchement, c'est la première fois qu'on est à ça, nous, ici. Ça a déjà débordé, hein, mais c'est le Gier et le Garon, nous. Ça a débordé les deux à la fois. Là, je viens d'aller à... Cet après-midi, mon frère m'a emmené à Bureau Vallée pour m'acheter mes feuilles blanches parce que il vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Mais quand je suis passée à la zone, mais c'est un truc de dingue. Il n'y a plus de trottoir, les routes sont levées, tout est cassé. C'est franchement, c'est horrible. Alors, soutien à tous ceux qui sont sinistrés. Beaucoup de courage. Voilà. Alors, merci pour tous vos messages. Allez, eh ben, on va y aller. On va faire le petit bilan rapide. Alors, j'ai en train de réfléchir si je garde ma monnaie, ou je mets au moins la monnaie dans les défis, ou non, je pense que les défis, je ne vais pas les faire. Je vois pas pourquoi je vais enlever de l'argent que j'en ai besoin. Alors, ce qu'on va faire, on va juste regarder à peu près ce qu'on a. Ouais, on va... Ouais, la monnaie, non, je vais garder comme ça. 1, 2, 3, 4, 6, 8... 10, 4,20€. Ça, au pire, je peux y enlever parce que je m'en sers pas. Je mettrai dans ma tirelire qui compte toute seule. 4,20€. Mais en fait, on va juste faire le point. Je vais même pas marquer ce qui me reste puisque c'est pas des... je vais pas mettre des économies puisque je vais sûrement les utiliser peut-être. Je vais les laisser dans mon porte-monnaie. Voilà, ça sert à rien d'y enlever. J'en aurai besoin. On va juste faire le point de ce qui me reste dans mes enveloppes. Alors, en alimentation, j'avais 150€. Il me reste 10€. D'hiver, j'avais 10€. Il me reste plus rien. Entretien hygiène, j'ai plus rien non plus. Promotion, il me reste quand même 10€. Alors, il y aura toujours 10€ de plus. Santé, il me reste 5€. On va essayer de les garder. Et bien, école, il n'y avait rien. Et les animaux, j'ai 10€. Mais en sachant que je vais chercher leur foin, je vais prendre... Combien ça va me faire? Ils sont à combien déjà? Je sais plus. Je crois que ça me fait pas tout à fait 10€ les 3 paquets de foin. Alors, ils vont partir sûrement demain, mais ça va être pile poil. Top. Voilà, voilà ce qu'il me reste. Il ne me reste pas grand-chose. Du coup, comme je vous avais dit, hein, j'étais retirée 100€ sur mon... où il y a mes revenus YouTube, etc. Tant pis, c'était pas prévu, mais bon... voilà, j'avais pas retiré beaucoup, de toute façon, pour mettre dans les défis, je voulais laisser un peu. Et ben voilà, je ne vais pas me serrer la ceinture en sachant qu'il y a de l'argent là. J'ai pris 100€ pour les courses cette semaine. Voilà, du coup, il y aura 110€. Est-ce qu'il va me manquer beaucoup de choses? Alors, en sachant que ce week-end, eh ben, on va pas être nombreux déjà, ça c'est sûr. J'ai les deux, Tariq et Sofiane, les deux plus jeunes, on va dire. Ils sont, ils ont deux matchs de waterpolo, du coup, ils partent à Reims, si je ne me trompe pas. Ils ont un autre match le dimanche, du coup, ils dorment sur place pour pouvoir aller à l'autre match le dimanche. Du coup, ben, je ne les ai pas tout le week-end. J'ai mon deuxième... Celui qui a 20 ans, il est parti avec ses potes sur Paris.
Du coup, je l'ai pas. Il vient de partir. Je l'ai pas pendant deux jours aussi. Hein, il revient que dimanche. On n'est pas nombreux. Alors déjà, ce week-end, c'est pas là qu'on va faire des dépenses. Parce que ceux qui mangent le plus, ils partent. Bon, il me reste le plus grand, mais je sais très bien que lui, il bosse beaucoup et le week-end, il aime bien un petit peu sortir. Il sera peut-être pas là samedi ou dimanche, je sais pas. Pas les deux jours, hein. Mais je pense qu'on va se retrouver 3 voire 4 à la maison au lieu de 7. Alors, comment vous dire que je vais faire... on va pas se casser la tête. Voilà. Mais bon, il faut faire quand même des courses pour la semaine. Et ben voilà, hein, je remplis que courses. Hein, le reste, ça reste comme ça. Voilà pour les courses. Pour le point, hein, vous avez vu, hein, il ne me reste pas énormément, mais il m'en reste encore un peu. Et on va finir la cinquième semaine avec. Parce que ça faisait vraiment trop loin. Hein, parce que là, là, on est quoi? On a dit qu'on était le 25. Ouais, ben, ça fait une semaine de plus. Hein, là, moi, je vous fais en général, je vous fais toujours la vidéo le jeudi pour vous la publier le vendredi. Voilà quoi. Alors du coup, il y aura jeudi le bilan et le remplissage. Si c'est une petite vidéo courte, je ferai le remplissage en même temps. Et voilà, on verra comment je vais faire. Mais il n'y aura pas de remplissage de défi dans cette vidéo. Ça va me manquer. Alors, du coup, je crois que dans les défis, il me semble, si je ne me trompe pas, j'ai rien mis. Ou si j'ai mis, j'ai mis peut-être en début de semaine. Parce que regardez, on en est à... La semaine 2, j'avais mis quoi? Ah, mais j'avais pas mis. 16,50. Qu'est-ce que j'ai plus? 2, 4, 6, 8. Ouais, j'ai 18 euros. Alors voilà, on va le marquer quand même. Je sais pas si je vais pouvoir mettre cette semaine. Je fais d'abord les courses et on verra. J'ai dit 2, 4, 6, 8. Au moins arriver à 20 euros. Je sais ce que je mets en épargne. Mais comme vous savez, maintenant j'arrive à épargner un petit peu plus. Grâce à mes ventes et à YouTube. 2, 4, 6, 8. Alors 8, 18 euros. Alors je vais essayer de mettre un petit peu. On essaiera de mettre un peu, mais là, ce mois, et je crois, dans l'autre défi, il n'y a rien. Voilà. Mais j'avais pas bien le goût en ce moment. Voilà, quoi. Il va falloir que je me remotive. Ça, le moral va mieux, mais j'ai perdu le goût. Le goût de faire les choses, le goût de faire les défis, le goût... voilà. Il va falloir que je retrouve un petit peu tout ça. Et en plus, j'y pense maintenant, on est le 25... Et je ne vous ai pas fait les défis du mois de novembre. Je les ai même pas fait. J'ai même pas fait le calendrier, rien du tout. Et bien, ce soir, on va s'atteler à ça. Je suis désolée, j'ai complètement zappé. J'y pense maintenant, j'ai pas fait les défis du mois de novembre. Ça passe tellement vite, en plus. En plus, le mois d'octobre, c'était pas le mois où j'étais au mieux de ma forme. Désolée. Alors, ce que je vais faire, je fais cette vidéo. Je vous la publie. Et ce soir, dans la soirée, je vais essayer de faire les trois. Après, c'est pas très très long à faire. Mais voilà, il faut que je les fasse. Mais vous les aurez promis, en retard, certes, parce qu'on est déjà ouais, on est déjà le 25. D'habitude, je le poste, j'aurais dû le mettre là ou... Ouais. Zut, je suis vraiment désolée, ça m'embête. Bon, je vais essayer de faire ça tout de suite, après la vidéo. Et je vais pas refaire une vidéo spéciale pour les défis, je pense pas. Sauf si je fais vraiment un petit, une petite vidéo de quelques minutes pour vous les montrer. Sinon, ce sera... je les mettrai tout de suite sur Insta et Facebook, comme ça vous me les demandez direct. Voilà. Mais je suis vraiment désolée, j'ai complètement zappé. Voilà. Bon, alors du coup, ça, on ne remplit pas. On verra la cinquième semaine les économies qu'il y a, s'il y en a. Voilà, on va rester comme ça. Ça ne sert à rien de remplir pour rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. De toute façon, les défis, on ne peut pas les remplir. En plus j'aurais pu les faire comme ça, ça aurait fait quelque chose à dire à la fin de la vidéo, les défis, mais non. ça a bougé un petit peu, hein. On va les épargner un petit peu, hein. Qu'est-ce qui a bougé là? Non, rentrée, non. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir que ma fille a décidé de se couper les cheveux. Alors elle avait les cheveux aux fesses et elle les a à peu près un peu plus bas que les épaules. Elle a voulu se couper les cheveux du jour au lendemain. Du coup, beauté, il n'y a plus rien, il y avait 15 euros. Et je crois que j'ai pris dans shopping, ça m'a fait 25 euros. Ouais, là, j'avais pas dû le mettre à jour, parce qu'il me reste plus que 30 euros, c'est marqué 70. Est-ce que je m'en suis servi pour autre chose? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'était ça? Il faut que je vérifie. Parce que c'est marqué 70 euros. Est-ce que j'étais acheté quelque chose? J'en suis sûre que j'ai pris 10 euros ici et les 15 euros là. Mais est-ce que... ouais, j'ai dû acheter quelque chose. Je pense que si c'est marqué 70, parce que j'avais tout mis à jour avec vous. Qu'est-ce que j'ai acheté?
Je ne sais plus. Parce que, on va dire 70 moins 10, ça fait 60. Il y a 30 euros qui est parti. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Anniversaire, voilà, il y a eu mon anniversaire. Il y a toujours les 30 euros, puisque le jour où il y en a été chercher les gâteaux, c'était tout bouché, il n'y avait plus de magasin, bref. Mon fils avait un rendez-vous médical pas ici, un peu loin. Et il est passé devant un Auchan, il m'appelle, il me dit « Maman, tu veux que je te prenne les gâteaux pour ton anniversaire ce soir ?» Ah, je lui dis « Ouais, s'il te plaît, parce que du coup, j'avais pas pu faire les courses, tout était c'était bouché, barré de partout, bref. » Du coup, il m'a pris 3 gâteaux. Il n'a pas voulu que je les rembourse. Voilà. Alors, du coup, il m'a dit « Tu me rembourses rien. » Alors, du coup, ben, l'enveloppe anniversaire n'a pas bougé, mais il faut que je la remplisse, qu'au mois de novembre, j'ai l'anniversaire de mon grand qui va avoir 17 ans. Du coup, on a déjà 30 euros. Voilà. Rentrée, ça n'a pas bougé. Et je pense qu'il n'y a que ça qui a bougé, hein, il me semble. Ouais, ouais, il n'a pas voulu. J'ai dit « Après, il faut que je te rende les sous pour les gâteaux. » Il m'a dit « Non, c'est bon. » Que demande le peuple? Et là, il y a... Non, non, il n'y a rien qui a bougé. Non, il n'y a rien. C'est bon. On est bon. Voilà. Bon, allez, et ben moi, ben, je vais vous laisser là. Qu'est-ce que t'as fait? Je fais mal. Ben, ben, doucement. Elle est en train de jouer à la Switch. Hein. Ma fille, elle croit que c'est la sienne. Elle l'a adoptée. Et elle joue au bowling dans la chambre. Ben oui, c'est petit. Bref. Du coup, et ben voilà, une vidéo de 11 minutes. Mais bon, c'est rapide. Moi, j'essaye de faire le plus vite pour faire les défis du mois de novembre. Après, il y en a beaucoup qui m'ont demandé l'année prochaine si je continue les défis. Je vais continuer. Ce qui concerne le calendrier, je pense pas, parce qu'il y en a plein qui le font maintenant. Voilà. Alors, voilà, je sais pas si ça sert vraiment. Après, sauf si vraiment vous préférez, voilà, les miens. Peut-être que je ferai un thème par mois. Je sais pas. Il y en aura peut-être pas 3, mais tous les mois, il y aura 2 différents. Ou alors je reste sur... Dites-moi ce que vous préférez. Mais il y en a énormément qui les font, les calendriers maintenant. Et voilà quoi, je vois pas l'intérêt de les faire. Il y en a des très beaux en plus. Hein. Honnêtement, il y en a qui en font des très très beaux. Alors dites-moi si vous voulez que je continue les calendriers. Ou alors faire autre chose, je sais pas. Dites-moi, hein, parce que c'est beaucoup pour vous aussi que je le fais. Voilà. Dites-moi ça en commentaire. Moi, sur ce, ben, si vous avez aimé la vidéo, hein, comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez. Je vous remercie pour tout. Franchement, je reçois beaucoup de messages sur Insta et sur YouTube. Alors, merci beaucoup. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan du mois. Et peut-être une petite vidéo pour les défis, mais je pense que ça sera plutôt sur Insta et Facebook. On verra. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.